Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se servir d'un dégorgeoir et donc comment retirer l'hameçon de la bouche d'un poisson. Donc voici deux dégorgeoirs. L'un est plus long que l'autre, tout simplement car il permet d'aller chercher les hameçons bien plus profondes dans la gorge. Un dégorgeoir se compose d'une partie arrondie au bout, puis d'un petit crochet. Alors, je n'ai pas de poisson à ma disposition, mais je vais vous montrer à l'aide de cette tête plombée dotée d'un hameçon comment dégorger un poisson. Donc souvent, l'hameçon est situé bien profondément dans la gorge. Donc pour ce faire, il faut prendre le dégorgeoir, puis à l'aide du bout arrondi, pousser l'hameçon vers le fond de la gorge du poisson. De cette manière. Toutefois, si l'hameçon ne vient pas, vous pouvez utiliser le crochet de la manière suivante. Vous vous emparez de l'hameçon, vous le bloquez bien, puis vous tirez. Alors vous aurez remarqué que les hameçons possèdent souvent un petit ardillon. L'ardillon empêche de dégorger les poissons facilement. Il permet cependant de garder la prise plus facilement, c'est-à-dire que les poissons ont moins tendance à se libérer. Ce que je vous conseille pour dégorger facilement, c'est à l'aide d'une pince plate de venir aplatir cet ardillon et comme ça, grâce au dégorgeoir, vous n'aurez plus qu'à pousser et l'hameçon sera retiré facilement. Voilà, j'espère que mes conseils vous auront servi.